Et c'est encore Damzou qui sera certainement le dernier épisode de ce premier let's play sur Europa Universalis 4, vu que j'ai très peu de chances de survivre à cet épisode là. Parce que mon pays est totalement endetté. Je suis à combien de prêts? Mon économie, j'ai déjà 4 emprunts. Une économie qui est totalement en chute libre. Je pense qu'on va faire un impôt de guerre. Et malgré l'impôt de guerre, ça va pas suffire. Est-ce que... Non, c'est pour devenir dangereux. On va partir sur un nouveau dirigeant. Allez, on va prendre le militaire. Je perds 5. Je vais acheter ces trois cherches là. J'ai les temples c'est cool, les temples ça me fait de la thune. Et qu'est-ce que je peux prendre comme doctrine? Normalement il y a une doctrine qui est importante, c'est l'économie pour la baisse de l'inflation. Ça c'est intéressant, c'est important. La doctrine administrative soit pas mal aussi. On va prendre l'économique parce que là je me sens dans la panique. Allez, on remet le jeu en cours. Donc je vais bientôt récupérer Vérone. Une fois que j'ai récupéré Vérone, je vais certainement attendre que la Savoie fasse un mouvement sur Vérone. Ou alors est-ce que je tente le premier à bouger? C'est quoi ça? La lassitude de guerre. Je la réduis. C'est inquiétant, c'est quoi? Raguse. Voilà. Allez, je vais perdre deux fois. Encore une fois. J'ai les moi, mais toute ma diplomatie. Allez, encore une fois. Par ça, ça réduit énormément ma puissance militaire. Donc on va... Je pense que dès que j'ai récupéré Vérone, je vais attaquer. On est le double. J'ai une décision nationale, laquelle? On peut augmenter les impôts, c'est cool. Voilà. J'espère que les impôts vont monter suffisamment. Je suis toujours à moins 6, truc de fou ça. Avec tout ce que je viens de prendre comme décision pour remonter ma thune, ça monte pas. L'armée de Milan. Allez, allez. Allez, Vérone, dépêche-toi. Rejoins le côté. Vérone terminé. Allez, on attaque. On va récupérer Brescia. Alors déjà on a un malus de moins 3, mais pour l'instant on a fait un très bon début. Toujours un bon début. On perd beaucoup plus d'hommes que, c'est normal, parce qu'on est comme ça nous. Ouais, donc on va gagner, mais on a perdu beaucoup trop d'hommes. La seule chose que je peux rêver, c'est qu'on ait atomisé leur armée, mais bon, c'est pas rêver. Non mais pas, j'ai perdu. J'ai perdu. Ils sont sérieux là. J'ai perdu cette guerre. C'est une bataille alors que j'étais supérieur à eux. C'est juste pas possible. Et ben, j'ai l'armée hongroise qui arrive. L'armée de Savoie est redoutable. Hein. C'est juste des mythos. On est le double maintenant. Son temps que j'ai pas viré Savoie, je dois pas attaquer l'Hongrie. Mais je vous rassure, dans 3 ans, l'Autriche revient.
et on y est presque. Encore le... Hop, mois de février, on est censé 100%. On est parti. On y retourne. On est le double. Ok, donc ça sert à rien, c'est du kamikaze qui va le faire encore. J'ai juste suicidé mon armée pour rien. Allez, on va renforcer les régiments. Du coup, maintenant, si je décide à faire mouvement sur les runs, ils vont gagner. Le truc qui est totalement incompréhensible. Est-ce qu'ils vont seulement bouger une seule fois sur Vérone? Bah oui, bouge sur Vérone. Et on a gagné. C'est beau. Sauf que... Bah... Allez, 11 000 contre 3 000. Il faut que la morale remonte. Je suis un pays ruiné. J'ai un diplomate qui est revenu, ça veut dire que... Ça veut dire quoi qu'il est revenu? Non, en fait, ça veut juste dire que mon annexion de Corfou a raté. Génial. Je peux pas leur redemander une alliance maintenant, parce que de toute façon, si je leur demande une alliance et que je suis en guerre, ils seront pas contents. La Suisse, grands alliés. Ok, moi ton diplomate, je sais pas quoi en faire. Allez, normalement, on peut aller achever la Savoie. Allez, on y va, faut achever la Savoie. J'hallucine, les mecs, ils ont fui chez moi, quoi. Pour se mettre en sécurité, ils sont partis se mettre chez moi. Alors, j'ai ma flotte de transport, du coup, je vais pouvoir aller à... À pouvoir débarquer. Pff, je peux même pas débarquer à Istrie. C'est juste des mythos, il y a 26 000 à côté. Allez, on reprend Brescia. La région peut en accueillir combien? Je suis pas sûr que cette région puisse abriter 26 000 hommes. Donc du coup, il y a des chances que l'armée hongroise se tue elle-même. Ça va. Je peux pas lui donner d'argent pour prendre de l'inflation. Je suis méga ruiné. J'ai tenté une attaque sur Brescia qui servait à rien à chaque fois parce que chaque fois je me suis fait la tête pour rien. Toute la Bosnie qui est hors de contrôle. J'ai mon annexion de Corfou Karaté. Naxos. C'est dans 45 ans, je vais d'abord limite. La Crète, je vous en parle même pas. Ça. Je suis parti d'un début de partie qui était pas mal. Et là, c'est une catastrophe. Mais pourquoi est-ce que tout le monde a déclaré la guerre, quoi? Encore après. Bien, vas-y, dégage, quitte la coalition militaire. Ok, alors la Hongrie, ils peuvent pas faire plus que ça. Maintenant, le problème, c'est tant qu'ils garderont les 19 000 hommes à ma frontière, je peux pas lancer de mouvement. Alors, faut mettre la vitesse dans le jeu. Pardon, ils ont gardé 30 000 hommes à ma frontière. C'est pas cool. Et toi, sinon, un jour, que ça vous dirait de faire avancer un petit peu ce... Voilà. Et donc, ils vont faire une ancienne accélération. Ça faudrait qu'un petit peu que je récupère terrain. Garder le cap. Ouais.
vais garder le cap, les mecs. Garder deux en inflation, ok. Allez, Brescia, faites... Vous savez, je vois vraiment pas comment est-ce que je... Il faut que je récupère toute mon armée pour pouvoir avoir la moindre chance contre la Hongrie. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme paix, la Hongrie? Alors, libère Naxos de sa valisation, libère Croatie en tant qu'état souverain. C'est quoi la Croatie? Faut m'aider là, ça va devenir quoi la Croatie? C'est pour moi la Croatie, c'est tout ça en fait. J'ai refusé. Je la sens pas. Lassitude de guerre, enfin, ça monte à une vitesse de fou. Allez, faut passer, c'est un dur moment. Mais si on réussit à le passer, ben on est contre bon. Ah, faut relancer le jeu. Allez, encore après. C'est bien là, l'Autriche qui ne veut plus de mal. Ils sont alliés à qui eux, toujours. Qu'est-ce qu'ils me proposent maintenant? Toujours pareil. Ah, c'est fini, ça s'est récupéré. Maintenant, il va falloir préparer un mouvement militaire important. Comment on peut faire ça? Hop. Militaire, on passe au niveau suivant. Prendre les hommes d'armes et je suis toujours en chevalier. Bah ça va me plaire bien. Je libère l'Axos, je m'en fous. Voilà. Et je garde mon territoire. Et du coup, Naxos. Mais je suis toujours dans l'intégral Naxos ou pas? Non. Ok, bon bah maintenant que tout est fini, on va virer les mercenaires. En fait, mon armée, c'était que des mercenaires. Je te gagne si peu, quoi. Oh là là. Tout le monde veut être allié avec moi. Alors, je vais reprendre la Suisse. Athènes. Non, Athènes, il n'y a aucune. Athènes, je peux rien. Aragon, ça peut être intéressant d'avoir Aragon. La Bourgogne, je sais pas. Toscane, non, j'en veux pas. L'Angleterre. Non, l'Angleterre, j'en veux pas non plus. Oh, je sais pas, peut-être que l'Angleterre, ça pourrait être bien. Non. Je vais prendre Naples plutôt. Hop. Ok. Et les autres refusés. Et refuser. Ah, c'est ça mes deux accords. C'est pas possible, non, moi je suis censé en avoir trois.
J'ai dit que j'étais déjà avec Naples. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, eux? Ouais, j'ai pas compris. Ils m'ont refusé une alliance avec Naples. Pourquoi? Donc la coalition est toujours énorme contre moi. Bon, attends, faut attendre que la coalition contre moi se calme. Bon, bah, du coup, vu que Naples n'a pas voulu s'allier avec moi, on va préparer des petites revendications sur Naples. Ok, donc on va attaquer Naples. Et la Hongrie, ils sont alliés à qui encore? Angleterre, Milan et Savoie. Pff. Milan, ils ont trop des trop gros alliés. Les états pontificaux, ils sont alliés qu'à Savoie. J'ai une mauvaise humeur, m'en fous. Bon bah j'ai quand même un miracle qui s'est produit. Hein. J'ai perdu tous mes potes. J'en ai retrouvé de nouveau. Mais j'ai gardé une bonne partie. C'est quoi ça? Rien que l'armée rebelle, ils sont plus nombreux que tout ce que je possède. Mais ça fait ça en tout. Il me semble que j'ai juste 3000 hommes. Je venais là-bas et puis on va directement racheter des hommes là-bas. Il va pouvoir racheter quelques hommes. Hein. Oui, je peux racheter 2 régiments. On sait jamais, peut-être qu'à un moment je pourrais racheter encore d'autres choses. Hein. J'ai 4000 hommes pour défendre le pays. Comment vous voulez que je défende le pays avec 4000 hommes? Mon armée n'est même pas assez grande pour pouvoir pousser les quelques rebelles. Mais j'ai quand même survécu à la guerre, c'est beau. Une deuxième armée. Alors là, franchement, vous vous moquez de moi. J'ai combien d'hommes précisément? Ah ouais, qu'il faut encore des hommes d'armes. Je vais pas devoir acheter des mercenaires quand même. Punaise. À peine sorti de la guerre, je vais déjà acheter des mercenaires. Ils ont réussi leur siège en plus, c'est très bien. J'achète des mercenaires. J'ai aucune chance de gagner sinon. J'en veux un administratif. Non. En plus, je peux pas regrouper. Ça me fait 6000 en tout. Avec lui, ça me fera 7000. Ok, bah j'aurais pile 7000 hommes. Ah non, les mecs, ils refont bien une coalition contre moi. Ah oui, ils gagnent là, on s'est gagné tout de suite. Là, ok. Alors, 6000. On est parti. J'espère qu'on n'a pas de malus. Le 8. Le 10, c'est parfait. On a gagné de justesse, quoi. Autant dire que j'ai perdu la guillée. Je suis pas prêt d'attaquer cette armée là parce que
va avoir des nouveaux gens. Naxos contre nous, la Serbie, oui. Il fait des coalitions contre d'autres personnes, mince. Faites la guerre ailleurs, laissez-moi tranquille. Mais je vous ai pas embêté, mince. Ok. Alors, ils y sont le 17. Si j'y fais, j'y suis le 20. Il me faut encore des mercenaires. Maintenant, c'est Milan qui me déclare la guerre. Non, mais franchement, vous vous foutez ma gueule. Ça vous dit pas de me laisser un peu en paix, quoi. Donc, il faut que j'envoie une nouvelle revendication ici. L'autre revendication, je sais plus où je l'avais faite, mais je vais en faire une en Hongrie. Donc on va regrouper les 7000 hommes. Est-ce que les gens se rendent compte quand même que je suis en guerre très longtemps? Et voilà, donc j'ai perdu beaucoup de rodaments encore une fois. Alors, comment est l'armée de Milanaise? 11 000 hommes. Qu'est-ce que j'ai de mon côté? Ouf. Ah, j'ai l'armée suisse. Et j'ai même Urbino, que je sais pas pourquoi ils sont là, mais bon. L'armée d'Aragon. Est-ce que Aragon va entrer en guerre? Si Aragon envoie des hommes, on est bien. Ça va dépendre d'Aragon. Mon armée, je vais l'envoyer à Frioul. Pourquoi ils peuvent pas faire ça? Ah, ça peut abandonner une armée. Hop. Voilà, t'es à Frioul. L'armée suisse qui peut venir m'aider. Et de toute façon, l'armée milanaise s'en va vers la Suisse. Okay. Donc c'est pas vers la Suisse, non, malheureusement. On va récupérer. On va aller tranquillement s'unir. C'est quoi ça? Et puis, que fait l'armée française en Autriche? C'est vraiment un jeu de foot. L'armée d'Aragon, elle est pas là. Aragon, on prend l'armée des quelques hommes. Et il y a même l'armée de Castille en Autriche. Faudrait que l'armée suisse fusionne avec moi et c'est bon. Si l'armée suisse veut bien s'unir à moi, il n'y a pas de souci, on peut reprendre, on peut virer l'armée milanaise. Là, il y en a pour 40 ans de siège. L'armée hongroise qui est encore à mes frontières, c'est pas bon ça. De toute façon, on est en paix avec la Hongrie pour combien de temps? Encore 3 ans. J'ai un score de lassitude de guerre de psychopathe, quoi, parce que les mecs ils me laissent pas faire la paix. Ça par contre, c'est pas cool. Si c'est la Suisse qui reprend tous les territoires, je pourrais rien voler. Donc une fois que j'ai pris Brescia, je vais me couper en deux. Armagnac. C'est quoi l'armée d'Armagnac? Elle vient d'où elle? L'Armagnac? Il y a des armées de partout en ce moment dans le jeu. Tout le monde fait la guerre à tout le monde, ça qui est bon. J'avais réussi à récupérer 3000 hommes en manpower. Et ben, il m'a pas fallu longtemps pour les perdre. La France, ils sont combien? Ils sont 50 militaires.
Non, 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 non. La Hongrie, surtout, vous restez gentil. Bon, de votre côté, je veux pas vous voir. Alors, on va refaire un truc à Naples. Ils sont Naples. Ils sont alliés. On s'en fout, franchement. Ferrari et Gênes, j'ai mis le dernier de mes soucis. Eux, je l'ai déjà fait, donc il me manque plus qu'à faire. On peut pas. Eux, ils sont alliés à qui? Urbino, ils sont alliés à qui, Urbino? Vassal de Aragon, ok. Modène. Si je vais faire une revendication. Pas faire de revendication sur eux, pourquoi? Bizarre. Gêne, non. On va encore faire une de plus en Hongrie, on sait jamais. Allez, une fois qu'on a récupéré ça, on va occuper Mantoue et Parme. Sélectionner l'armée, une infanterie qui va immédiatement à l'arme, et une infanterie qui va immédiatement à Mantoue. Il faut être les premiers pour pouvoir occuper le terrain en mon nom. Si j'occupe les terrains en mon nom, c'est les terrains qui, à la fin de la guerre, tu pourrais piquer. Ah, l'armée suisse qui me suit, ça y est. C'est bon ça. Et ça, ça me fait délirer, voilà, l'armée française qui est en Autriche. Pour vous dire, la France est là. L'armée française qui s'est tapée le tour du monde, quoi. Bon, Brescia s'est récupéré très bientôt. Et que fait l'armée autrichienne là-bas? Ok, ouh, l'armée autrichienne qui s'est retournée contre la France. Ils vont faire mal. Comment ça, l'Autriche? Non, 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 l'Autriche, vous n'avez rien à faire avec moi. Hein. C'est loin. Mais j'ai pas donné l'accès militaire à l'Autriche pourtant. Pourquoi tu passes par mon territoire? Voilà, il y a des choses que je comprends pas. Normalement, ils n'ont pas le droit de circuler sur mon territoire. C'est quoi ça? Les rebelles. Je fais ce que je peux là. Plus tout ça, ça vient surtout de la rébellion en Grèce qui m'a coûté beaucoup trop d'hommes. J'ai perdu 10 000 hommes avec là-bas. On m'enlève ces 10 000 pertes. Ça va beaucoup mieux. Allez Brescia, tu te dépêches putain. Ok, j'ai récupéré. Hop, on va bouger là-bas. Alors, je vais faire un en stabilité. On va tout faire sauf faire de la stabilité. Bon, Brescia, c'est quand tu veux que tu récupères. Une chance sur deux, quoi. Lancer un dé, hop, c'est gagné. Allez, 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 on va le faire, on va le faire. Bon. Malgré tout, ça fera un agrandissement de territoire ici. Tu peux me payer plein de choses, en plus. C'est bon, on a récupéré Brescia. Allez, on y va. En tout mal. Ils vont aller tenter de reprendre la Lombardie. On a combien? On a 40%. C'est pas mal 40%. Si on réussit à prendre ces deux terrains-là, avec les 40%, bah, on peut largement demander ces deux terrains-là. Après, est-ce que je peux tenter les 100% pour prendre tout Milan? Vous voyez ça? Quand j'ai mes casus belli qui sont terminés, je vais tenter de... Regardez combien ça ferait la conquête entière de Milan.
Si ça fait 100%, y a pas de souci, on pique tout Milan. Ça ferait un beau territoire à Venise déjà, en quelques années. Bon, ça aurait pu être beaucoup plus beau. Hein. Dire que j'aurais pu piquer tout le sud, j'aurais pu piquer une bonne partie de l'Autriche. J'aurais pu piquer l'Autriche, Milan. J'aurais pu tout piquer longtemps déjà. Si la Hongrie n'était pas entrée en guerre 2 secondes après. Les chacals. Pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent? Bon, en fin de compte, on va pas négocier les 11 000. J'ai pas 21 000 sur ta France qui se promène ici. Bon, ben, en tout, j'aurai 9 000 hommes environ pour aller récupérer quelque chose. C'est pas énorme. Déjeuner. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ah oui, comme par hasard, l'ordre. Leur commandant, il connaît le siège. Ils sont à moins 7 unités. Nous, on est qu'à moins 21. Excellent. Oula, oui, ça fait plaisir de gagner autant de trucs. Oui, je pense qu'on va gagner, on va augmenter les impôts. C'est quoi la prochaine? J'ai des temples à acheter aussi. Pour que je pense à acheter mes temples. Normalement, Parme ne devrait pas tarder à tomber. Une fois que Parme est tombé. Je sais pas, j'ai une telle lassitude de guerre quoi. Ah ouais, là, faut que je pense à rembourser les prêts. En rembourser deux, j'en ai remboursé deux. À chaque fois que je peux rembourser un, faut que je le rembourse. Sinon, ça va être galère. Bah, je trouve que Milan, ils ont peut-être de la thune. Hein. C'est peut-être eux qui vont financer mes prêts. Le siège de Parme est terminé. Fini. Ils sont à 14%, on en est à 7. Est-ce qu'ils ont un général qui sépare du siège? Si jamais on veut négocier la paix avec... Ils sont prêts à me donner ça. L'annexion totale, ça fait 100%. Enfin, ça fait 103%, donc pas trop piqué. Et je peux leur piquer 33. Il faudrait que je pique Mantoue aussi. Ouais, pas beaucoup de thunes de toute manière. Ça y est, ils ont la Moscovie, on s'en fout. Mantoue. Alors voilà. Demandez la paix. On prend Mantoue. Non, ils sont pas contents. L'annexion totale est à 100%. Donc, on va choper l'armée suisse et on va essayer de choper le gros de leur armée. Est-ce qu'on se déplace en groupe? Ouais, c'est bon, on se déplace en groupe. On va donc essayer de choper l'armée de Milan maintenant. Alors, du coup, l'armée de Milan ne peut pas l'affronter avec autant de lassitude. 4, c'est bien mieux. On est quand même 16 000. 16 000, mais je connais le terrain. C'est pas un bon terrain du tout. Je peux pas aller choper là-bas. Je sais que si on passe sur Brescia, j'ai perdu la bataille. Bon bah les 11 000, de toute façon les 11 000, est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais ils sont 11 000. Je vais récupérer Travia, je vais faire le tour pour passer au-dessus, mais je peux pas les piquer. J'ai pas les effectifs pour... Putain,
quand tu racontes les sièges, ils vont beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Ok, on a récupéré Travia. Maintenant, hop, tourne en Bosnie. J'ai 2000 hommes qui tentent de faire leur loi. Les sièges sur carton, ça va pas tomber. Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait longtemps que j'ai des points à mettre ici. Alors, lui, il est jeune. Allez, je tente. J'investis sur lui massivement. Voilà, on va tenter celui-là. Je vais tenter de me faire un cardinal. Ça faut que je surveille. Quand même, 11 000 hommes. Comment vous voulez que je tue 11 000 hommes? Putain, on n'arrive même pas à faire avancer le siège. Voir trop lentement. 2000 hommes, ça commence à revenir. Je commence à avoir de nouveau du même coup avant. Peut-être gourmand, non. Si on prend la Lombardie, il me semble qu'il est leur capitale. Sois contente. Si on prend la Lombardie, normalement, qui est la capitale de Milan, ça devrait être bon. Ben sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un petit groupe et on l'envoie tout de suite à Brescia. Attends, il va falloir que je me rachète encore des soldats parce que c'est pas... Ah. Avec les diplomates en retour, il faut que j'en renvoie un tout de suite ici. Non, c'est bon, j'ai tout falsifié là-bas. Encore une affaire ici. Et j'en garde un de libre parce que il faut que j'agisse vite sur Milan. Normalement, il faut que je prenne la Lombardie avant qu'ils aient récupéré Mantoue. Et si c'est fait, ça peut être bon. Et je peux peut-être même récupérer Brescia avant qu'ils aient pris mon tour. Ce serait beau, wesh. Et après, ben, il va falloir que je me grouille le cul pour aller à cette armée de 11 000 hommes. Pour l'instant, là on est largement devant, là on est devant aussi, mais léger. On a qu'une légère avance. Allez la Lombardie. Allez la Lombardie, faut tomber. Vrai chat récupéré, c'est cool. La Lombardie est tombée, c'est bon. On fait la pause. Ok. On va demander. Je vais demander le transfert de la puissance commerciale et pas de traité avec l'Autriche ni avec la France. Non, l'Autriche est important. Traité avec la France, on s'en fout, mais surtout avec l'Autriche que je veux pas. Ok, on m'envoie la demande. Donc, on a piqué deux territoires à Milan. Et ils vont nous donner un peu de pognon au passage. Et maintenant, il va nous relancer. Ah! Putain, ça coûte méga cher! 200! Comment ça se fait que ça coûte si cher? Allez, vous, suite à Vérone.
faut qu'on se mobilise, on a... Ah non mais arrêtez, s'il vous plaît les gens, ça vous qui revient, non. Gêne. Mais j'ai rien fait moi, s'il vous plaît les mecs, hein. C'est pas moi qui déclare la guerre à tout le monde, c'est vous. Donc ça fait pile 8000 hommes. De toute façon ça c'était 8000 hommes, mais je pouvais pas faire moins. Donc on renvoie 8000 hommes là-bas. Et je m'achète deux nouveaux hommes d'armes. Plus une chevauchée ici. Alors le pays négocie. Je suis en train de faire un nouveau casse-bélé en Hongrie. Et du coup on va faire un casse-bélé sur Milan. Le 2 décembre, après. La prochaine bataille contre Milan, ce sera la mission totale. Les pertes pour eux qui sont prêts. T'as Pontifico contre nous. Lui, ils sont alliés à Genève. Vous voyez qu'il y a une nouvelle coalition contre nous à Terre-Bien. Non. Passe par là. Bon. M'expliquer pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours passer là où il y a la grosse armée. Non. Passe par là. Puis là. Puis là. Milan contre nous, non mais arrêtez quoi, laissez-moi tranquille. Pourquoi est-ce que tout le monde se met en coalition contre moi? Ils ont réussi. Onze mille hommes. Non, on va être 13 000 à peu près. Ferra. Mais c'est une blague quoi. Ferrare, c'est ça. Alors, Athènes, je m'en fous. Gênes, disons que 2000 hommes, je m'en fous. Naples, ils ont pas beaucoup d'hommes normalement, donc on s'en fout. Toscane, 9000, ça va être gênant. Ah non, mais franchement, il faut qu'ils m'expliquent c'est quoi leur délire avec moi, merde. Vous pouvez pas faire la guerre entre vous seulement? Donc, dès que j'ai récupéré la Bosnie et que j'ai sorti mes quelques troupes, on va perdre la bataille sur Ulm. C'est qui mes alliés toujours? C'est la Suisse, Urbino. Donc Urbino va rien pouvoir faire. La Suisse va commencer à être colonisée. Et Aragon. Ah bah Aragon, normalement, ils vont faire plaisir dans Naples. Je pense qu'ils vont faire que ça. Ils vont s'amuser à attaquer Naples. Mais allez quoi, cède! Reviens Bosnie, reviens! J'ai une guerre à aller perdre encore chez moi. En fait, si je comprends bien, elle doit toujours faire la guerre. Hein. C'est Mantoue, ah oui, Mantoue c'est cher. Hein. Et eux, je peux pas changer. Je vais attendre la fin de la guerre. Ok, la Bosnie s'est récupérée. On regroupe tout le monde. Là-bas. On va prier leur régent général, il est pourri. Ok, niveau général, leur mec il est nul. Ok, les 13000. Regroupe. On y va. Allez. On arrive au mois de mai. Ça tombe. Ils ont lancé des chances parce qu'ils sont 8. Ils ont fait un 8 d'entrée, on a fait un 2. Allez, l'armée rebelle. Attends. Il faut toujours l'administratif. Ok, voilà. J'ai perdu beaucoup d'hommes quand même. Remboursé.
Allez, on va récupérer ça. La Suisse qui a perdu une bataille. Puissance commerciale moins 100. Ou... On va perdre 5 points d'administratif. En stabilité. Voilà. Là, les événements, ils sont pas avec moi du tout. Il n'y a pas de. Tiens, Naples qui est en train de rouler sur Mino. Et Aragon, ça y est, Aragon qui ont débarqué à Naples. Okay. Oh le bordel que c'est. Bon, on va s'arrêter là. Donc, encore une fois, une grande guerre. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'arrête pas la guerre. Allez, ciao tout le monde.